Parlons un petit peu économie maintenant, alors que l'année s'est amorcée sous le signe du renouveau au sein de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, notamment avec l'arrivée en poste à l'automne d'un nouveau président, Mathieu Simard, ainsi qu'une nouvelle directrice générale, Sophie Brisson. Nous avons rendu visite à Mme Brisson pour qu'elle nous parle des dossiers économiques qui tiennent à cœur les membres du conseil d'administration de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Voici ce que ça a donné. Nouveau rôle, nouveau poste. Parlez-moi de votre intérêt par rapport à ce défi-là et de votre rôle. Bien, dans le fond, ça part vraiment de mon intérêt pour la Côte-de-Beaupré en général. J'habite sur la côte depuis presque bientôt 20 ans, puis j'ai à cœur le développement de la côte, vraiment. Puis c'est le fun de voir aussi, je pense que je ne suis pas toute seule à avoir ce sentiment-là. Beaucoup de gens d'affaires s'impliquent. Même les monsieur et madame tout le monde s'impliquent beaucoup sur la côte. On le voit, entre autres, souvent comme exemple, la Fondation de l'hôpital qui est quand même assez dynamique ici. Alors, je pense que ça part vraiment d'un sentiment de vouloir que la côte de Beaupré soit dynamique, que ça bouge, puis qu'on parle de nous, en fait, ici sur la côte, mais bien sûr dans la grande région de Québec, puis un peu partout. Alors, ça part de là. Donc, le défi est vraiment pour moi super intéressant, super motivant. Puis l'Alliance, bien, je pense que c'est une belle organisation. Quand on a annoncé ma nomination, mon grand plaisir, c'était de voir à l'Assemblée générale en novembre dernier que les gens croient à l'Alliance Affaires, veulent que ça continue. Donc, bien, c'est ça. C'est à moi, je pense, de faire en sorte que ça bouge puis qu'on continue de croire à l'Alliance. Vous travaillez avec un nouveau président, Mathieu Simard. Oui. Qu'est-ce qui ressort de vos discussions? Bien, dans le fond, l'année dernière, il ne faut pas se cacher, là, on le sait, c'était une année plutôt tranquille pour l'Alliance. Là, c'était une année de changement, disons. Puis je trouve qu'après 5-6 ans d'existence, c'est quand même sain d'en arriver là pour une organisation. Ça nous amène le conseil d'administration, bien sûr, les gens qui étaient là avant moi aussi, à se poser des questions, puis comment on veut faire les choses. Puis la vision de notre président puis du nouveau conseil d'administration, c'est d'amener justement l'Alliance Affaires de partir avec ce qui a été fait, puis quand même des belles choses qui ont été faites, puis d'amener l'Alliance Affaires, dans le fond, à une version 2.0, si on veut, d'aller plus loin. Puis aussi, on s'est dit que le cœur de l'Alliance, c'est nos membres. Alors, on allait aussi beaucoup plus écouter nos membres, écouter ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils veulent, puis essayer de répondre un peu plus aussi à leurs besoins. Par rapport aux membres, là, comment trouvez-vous leur volonté par rapport de faire avancer les choses, dans le fond? Bien, comme je le disais, dans le fond, c'était ma grande... Bien, pas une surprise, mais c'était ma grande satisfaction de voir effectivement que les gens croient à l'Alliance, veulent que ça bouge. Puis leur volonté, oui, c'est qu'on aille plus loin. La plupart de nos membres, c'est des entrepreneurs. Puis évidemment, ils ont décidé de volontairement, pour la plupart, de s'installer sur la côte. Alors, ils veulent que leur entreprise soit florissante. Puis je pense que c'est gagnant pour tout le monde à ce moment-là. Là. Il y a beaucoup de dossiers régionaux. Parlons d'un dossier qui fait couler beaucoup d'angles, le troisième lien. Oui. Vous êtes positionné dernièrement. Il devrait être à l'Est, selon Alliance Affaires. Oui. Pourquoi ça serait une opportunité pour la Côte-de-Beaupré si ce lien-là était à l'Est? Bien, je pense que l'accessibilité, c'est un point important. Puis nous, dans le fond, on se dit aussi que ça serait une porte d'entrée aussi, justement, pour la 138, pour la région de Charlevoix, même de la Côte-Nord. Puis en plus, dans le fond, ça dégorgerait vraiment la ville de Québec. Si on met ce lien-là à l'ouest, les gens auront quand même à passer par Félix-Leclerc, par le boulevard Charest, peu importe. Donc, en le mettant directement à l'est, bien là, je pense que ça ouvre une voie entre très, très facile entre la rue sud et ici sur la rive nord. Donc, je pense que oui, il faut que ça soit à l'est, là. Ce qu'on comprend, c'est que ça serait aussi bon pour la Côte-de-Beaupré que pour la rive sud. Oui, je pense que oui. Les gens de la rive sud se sont prononcés, évidemment, en faveur aussi, puis eux aussi souhaitent que ça soit... à l'Est. Je pense qu'on a les mêmes défis. Dans le fond, on le sait, ici sur la côte, ce que nous disent nos membres, comme je disais tantôt, vous les écoutez, les entrepreneurs, c'est plus difficile des fois d'avoir des employés, justement pour la mobilité. Donc ça, je pense que ça faciliterait les échanges là, entre l'Est et l'Ouest, puis ça serait probablement facilitant pour aller chercher, oui, des nouveaux emplois, encore là, pour dynamiser la région, pour amener une économie qui bouge, puis rentabiliser, dans le fond, nos entreprises. On entend beaucoup de choses, là. Est-ce que vous aimeriez mieux un tunnel, un pont? C'est quoi votre opinion par rapport à bien, ça? Par rapport à ça, dans le fond, sur notre communiqué, justement, on disait qu'on faisait confiance aux gens qui s'y connaissaient. Là, évidemment, je pense qu'il faut que ça soit la meilleure solution viable à très, très long terme puis au meilleur coût possible parce qu'on sait très bien là, que c'est avec la population qui va payer finalement avec les impôts et tout ça, mais on fait confiance aux gens. Là. Il y a déjà probablement, mais on a entendu quelques experts se prononcer. Alors là-dessus, je pense qu'on fait confiance aux instances de faire le meilleur choix possible. Là.
Vous avez parlé rapidement de la route 138. Oui. J'imagine que c'est un dossier prioritaire pour Alliance Affaires. Oui, tout à fait. C'est dans le fond, la route 138, c'est l'image de la Côte de Beaupré. Donc, c'est un dossier qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis quand même, je pense, quelques années. On le fait en collaboration avec Développement Côte de Beaupré, avec les municipalités aussi qui ont bien voulu s'impliquer, dont l'Ange Gardien qui a été quand même précurseur là, dans ce dossier-là. Il y a des beaux projets qui sont en cours. Les entreprises ont beaucoup embarqué aussi. Il y a des choses intéressantes. Il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi. Alors oui, comme je disais, là, c'est un peu l'image de la Côte de Beaupré. Puis ce qu'on veut, c'est susciter, dans le fond, l'intérêt de ce boulevard-là. Puis je pense que si on revitalise la route 138, si on donne des accès au fleuve comme c'est prévu dans les plans et tout ça, bien, c'est, au lieu qu'on soit une zone de passage entre Québec et Charlevoix, bien, les gens vont peut-être avoir tendance à s'arrêter un peu plus sur la côte, puis c'est ce qu'on veut aussi. Là. Attirer les gens vraiment à s'arrêter là, oui. Pour les commerces, c'est les ça. Restaurants, les hôtels. Tout à fait. Comprend. S'arrêter, voir qu'est-ce qu'on a, le fleuve, la montagne, puis consommer chez nous, là, c'est un peu ça. En pré-entrevue, vous me parliez de l'achat local. Oui. Quelle est votre vision par rapport à ça? Bien, c'est un dossier, ça aussi, qui tient bien à cœur à l'Alliance. Il y a eu des belles campagnes d'achat local dans les dernières années, puis c'est quelque chose qu'on veut reprendre. Encore là, il n'y en a pas eu en 2016, mais on est en train de travailler sur quelque chose aussi pour mettre, encore une fois, nos membres de l'avant. Puis on voudrait repartir la campagne d'achat local probablement au printemps, là, quelque part au mois de mai. Puis on voudrait une campagne d'achat local qui dure dans le temps, dans le fond. Il y a eu, comme je disais, des belles campagnes qui se sont faites, mais à des moments précis dans l'année. Alors notre souhait, ce serait que la campagne puisse durer toute l'année, sous différentes façons, parce que je pense que pour que ça soit ancré dans la tête des gens, il faut le répéter souvent, régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait une campagne là, qui dure dans le temps, puis qui soit non seulement récurrente, c'est ça, mais qui dure dans le temps. Là. Soit viable. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a des modèles ailleurs au Québec, peut-être, qu'on regarde, là, qui pourraient être répétés ici, sur la côte de Beaupré, dans la réalité des gens? Oui, il y a des modèles, c'est sûr. Je pense que c'est un défi pour chaque région de stimuler leur achat local. J'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'ils font, entre autres, à Sherbrooke, ils ont développé une carte fidélité spécifiquement pour eux. Dans Charlevoix aussi, ils parlent beaucoup d'achat local. Il y a des chroniques dans les journaux locaux. Fait que c'est un petit peu ça qu'on aimerait faire ici aussi, d'en parler encore une fois très, très souvent. Puis de stimuler la population en général à encourager les entreprises qu'on a sur la côte, parce que ces entreprises-là, en plus, font travailler des gens. Fait que c'est comme une espèce de roue qui tourne. Plus on va performer, plus les gens vont travailler, puis plus il y a des dépenses dans la région qui vont se faire. Là. C'est très intéressant. Vous êtes très dynamique. Oui. On vous souhaite bonne chance dans vos projets. Merci pour l'entrevue. Merci à vous. Au plaisir. Ça fait un plaisir.